Je m'appelle Zongo Tonoma, chercheur au CNRS au Burkina Faso. C'est le développement. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans la valorisation du capital humain. Or, pourtant, le projet soit prône également pour le libre accès effectivement des documents pour nous chercher des pays du Sud. Or, sans recherche, effectivement, on ne peut pas aspirer un jour au développement. Donc, je pense effectivement que le projet SOA mérite vraiment de vivre pendant longtemps. C'est un projet vraiment qui nous est quand même indispensable. Bon, ce qui est le plus facile, effectivement, c'est l'accès, effectivement, aux documents. Et le plus difficile, effectivement, peut-être que c'est la sensibilisation, surtout dans au sein de nos universités. Il faut vraiment travailler beaucoup pour que beaucoup d'hommes puissent quand même comprendre effectivement la notion de la science ouverte. Continuer à apprendre, il faut effectivement que le projet soit ne prenne pas fin effectivement en 2016. Il faut vraiment des soutiens effectivement pour que quand même le projet puisse voir le jour, pour pouvoir quand même nous aider vraiment dans cette dynamique-là. Enfin, effectivement, d'avoir des documents utiles vraiment pour nos recherches, pour les mémoires et également pour les thèses.